Ah, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui! Quel plaisir de rouler! Et cette nature partout, cette herbe, qu'est-ce que j'aime faire communion avec la nature! Oh! Ceci n'était pas du tout prévu. Mais c'est pas grave. J'arrive pas à me dire que dans quelques heures je pars pour la Malaisie. Et dire que j'ai encore même pas préparé mes affaires. Comment est-ce que je vais faire? J'ai même pas de sacoche. Quelques heures pour tout préparer, ça va être un peu court, non? Il faudrait, je sais pas, des pouvoirs magiques. Alors, mais c'est extraordinaire! On dirait presque un montage! On a notre sacoche au guidon, on a nos sacoches à l'avant, à l'arrière, on a notre panneau solaire, mais manque rien ce vélo! Oh! Oh! Mais qu'acoustiquage! Ah! Je crois qu'il manque encore quelque chose! Alors, un drapeau, un tube, deux, trois petits bouts de scotch, ça devrait suffire, non? Bon, maintenant il y a le tube, il manque le drapeau. Ça ressemble à des drapeaux, ça, non? Si là je trouve pas de drapeau. Deux magasins différents, pas un fichu de proposer un drapeau suisse. Non mais les gars, le patriotisme c'est toute l'année, hein, c'est pas que le 1er août. Bon, bah on va changer de stratégie du coup. Ok, j'exagère peut-être un tout petit peu. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'était plus... Et hop. Et hop. C'est bon, deux clics, la magie d'Internet et le drapeau est arrivé. On va pouvoir commencer le montage. Alors, le drapeau, du scotch, une paire de ciseaux, des petites attaches, deux petites tiges... Et le tube en métal, eh ben non, ça finalement, il n'y en aura pas besoin. Ouais, parce que moi, ma technique, c'est j'achète d'abord, je réfléchis ensuite. On commence par insérer le drapeau. On va mettre une petite attache au bout. On met une petite attache au bout. Oh putain. On met une petite attache au bout. Et voilà. Et maintenant, c'est pas beau ça? Bon bah c'est parfait, il n'y a plus qu'à aller retrouver les amis. Rendez-vous à 10h. Encore un vélo volé, j'en ai marre. Je vais voir ce que je peux faire à l'atelier.
Bon, ça c'est fait, je vais aller tester tout ça. Bonjour, une journée pour Isno, s'il vous plaît. Merci. Oh. Tu vas y arriver, ok? Mais par contre, le brossage de dents, c'est 3 minutes. Bon, les cheveux, je vais pas aller chez le coiffeur en une heure de temps. Mais je pense que je vais quand même régler ça. Parfait. Bon, allez, c'est bon là, on y va. Ça va? Hey, ciao. Ça joue? Nickel. Bon, il nous manque plus que Robin là, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Je sais pas. Hein. On avait dit 10h non? Ouais.
Ouais, ça va. Ouais, désolé, ce matin, j'avais piscine. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Bon, de toute façon, je vous propose maintenant, on se trouve une table, on pose la carte et on établit le parcours. Ça vous va? Nickel. Okay. Parfait. Bah, allez. Ok, les gars. On part de Lausanne. Notre objectif, Kuala Lumpur en Malaisie. Est-ce qu'on peut aller tout droit? Non, ça va être compliqué. Un peu compliqué, ouais. Ouais, il y a de l'eau, ça va pas. Alors, il faut qu'on fasse des détours. Bah, moi, je vous propose qu'on prenne la plaine du Danube, comme ça, jusqu'à la mer Noire, en Turquie. Ensuite, on va à Géorgie, Azerbaïdjan, en Iran. Mais il y a des montagnes, là. Ça va le faire. Ensuite, Ouzbékistan. On fait un joli petit tour en Tadjikistan sur la route des Pamirs. C'est l'école à 4000. Ouais, c'est magnifique, mais il fait très froid, alors on va devoir prendre une doudoune. Et ensuite, on rentre en Chine. Attends, Firmin, là, c'est le désert de Gobi, ça. Oui, mais il paraît qu'il y a un train ici. Donc au pire, on peut prendre un train. Après, on part vers le sud, c'est bien ça? Donc t'as Vietnam, Cambodge, Thaïlande et ensuite la Malaisie. Faut qu'on vise avec la mousson, mais ça devrait le faire. Et ensuite, on arrive à Kuala Lumpur. Et puis après, on se fait une semaine à Kuala Lumpur. Puis je vous propose qu'on revienne en avion, par contre, non? Ça vous va, les gars? Ouais, moi, ça me va. Bon, allez, let's go. Okay. Yes. On trace au salon. Ça marche.